Bonjour, je regarde si ça tourne car je suis dégoûtée. Je viens de faire une vidéo de 40 minutes pour le week-end au bord de l'eau. Il y a quelqu'un qui m'appelle, elle me trouve beau. C'était un purée de super tirage, donc je vais vous le raconter pour certains. Tu vois, comme quoi peut-être que l'univers a voulu que je fasse le tirage, peut-être que c'était un tirage pour moi. Alors, c'était un tirage, j'ai commencé par le G et j'avais tiré que il y a une possibilité que quelqu'un vous demande de l'aide ou que vous aidiez quelqu'un que vous aimez beaucoup. Et c'est soit vous, soit l'autre qui va se faire aider par rapport à réaliser un rêve de gosse. Ou vous allez peut-être le faire parce que ça a à voir avec un rêve de gosse. Hein. Je suis venue là pour t'emmener voir la nature. Alors oui, j'ai le cul frais parce qu'ici, moi, je suis sur une pierre mouillée qui trempe dans l'eau. Je la trouvais plus, je suis super contente. Bon, je remets mes lunettes de soleil. Ouais, donc avec le G, il y avait ça. Ensuite, c'était beau, hein. C'était les retrouvailles de quelqu'un avec qui on pensait avoir fait une erreur. Et puis, bah, il y avait quelque chose qui était dit. Bon, là, le chauve, hein, qui tombe, hein. Il y avait quelque chose qui était dit. Et en fait, l'erreur n'était pas celle qu'on croyait, n'est-ce pas? Il y avait de l'amour. Il y avait en tout cas quelqu'un qui était prêt à dire je t'apprécie, tu me plais. Et ici, il y avait aussi, alors je ne sais plus dans quel jeu, on nous disait qu'on avait pu passer une soirée ou un moment ou un truc il y a un mois ou dans le mois qui précède. On avait pu dormir avec quelqu'un ou dormir chez quelqu'un parce qu'on était complètement fatigué ou pour se reposer un petit peu avant de rentrer chez soi et que du coup on n'avait pas donné suite parce qu'on s'est dit que c'était une erreur et qu'il y a des trucs qui vont avoir une suite. Alors ici, le chauve, la mamie blonde, mais mamie, est-ce que tu as besoin de venir dans les cartes? En plus, ma mamie n'était pas vraiment blonde, hein. C'était une brune. Brune en dessous, blonde au-dessus. Tu vois? Tu vois comme les cartes disent toujours la vérité. C'est de mettre pas les pieds dans l'eau. Attends, je vais te prendre la température. Pas du pied, hein, de l'eau. Hop. Elle est froide. Elle est très froide. Bon. Est-ce que je te gâche tout le paysage? Il y a la paix, hein. Il y a une mamie qui ramène un. Il y a une mamie blonde. Qui ramène un chauve en paix. Déjeuner en paix. Alors ici, j'ai peut-être un besoin de retour à la sérénité pour certains, certaines. Par rapport à un gamin, par rapport à un enfant, un jeune homme. Alors, il y a une grosse différence d'âge. Hein. Tu es un enfant. Ici, il y a peut-être le fait que le chauve va déposer son fils chez mamie pour être tranquille, pour s'envoler tranquille. Ouais. Ou il y a peut-être aussi un chauve qui se rappelle de ses rêves d'enfant, hein, qui a perdu sa sérénité, mais qui a envie de construire quelque chose qui va vers cette sérénité ou vers ses rêves d'enfant. On va faire un mix. Ici, on a des nouvelles par rapport à quelqu'un à qui on a pu beaucoup penser. Ouais. On a des nouvelles et j'ai l'impression qu'il y a un diagnostic à poser. C'est moins sympa tout de suite que l'autre, hein. Le chauve. Alors, le chauve. Ah, ça peut être un chauve d'un certain âge, hein, qui est avec une mamie, avec laquelle il est. Chauve pépé, avec une mamie, avec laquelle il est en paix. On n'est pas loin de la sérénité et il y a un petit jeune. Alors, ça peut être votre enfant, votre petit-enfant, votre neveu, qui tu veux, hein, d'accord, mais un jeune. Ça peut être le chauve jeune par rapport à ce qu'il voulait construire et qu'il est en train de mettre de l'ordre dans ses priorités, dans ses rêves pour construire quelque chose. Hein. On a voulu construire. C'est peut-être pour ça qu'on est en paix. Et ici, on va avoir des nouvelles de choses auxquelles on a pensé. Est-ce qu'on peut savoir quoi ou de qui? C'est quelque chose qui n'est pas prévu. Ah oui, il y avait aussi un imprévu qui était sorti dans le week-end que j'ai déjà tiré. Ouais. Un imprévu, vous allez apprendre quelque chose. Est-ce qu'on peut savoir à quel sujet? Ah, par rapport à un engagement. Il y a une histoire de sous et j'ai vu qu'il y a de la fiesta ici. Hein. Il y a des choses qu'on va célébrer. Ah oui, ça nous parlait de célébration aussi, l'autre tirage. Bon, allez, on va avec.
La carte du désert. Depuis trop longtemps, non, 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 non. Oh, Sean Connery, un beau mec, hein. Retour. Entre nous. Tiens, Lara Fabian, j'ai vu qu'elle a mis un mot d'amour dans l'introduction du livre que je me suis fait offrir d'Isabelle Padovani au cœur du vivant, que je vous recommande chaleureusement. Il faudrait que je demande à Madame Padovani. Là, je vais écrire un petit mot à Isa pour lui demander si elle m'autorise à vous lire un de ses poèmes, chapitres, que sais-je. Je crois qu'elle n'a pas besoin de publicité, mais ça me ferait plaisir d'être son ambassadrice. Pour ceux qui ne la connaissent pas, parce que ben, j'ai été. Alors, elle parle très bien, hein. Moi, elle me fait beaucoup rire, mais. La beauté de la plume et puis j'allais dire d'une plume trempée à l'encre du cœur, n'est-ce pas? Ici, on nous parle de retour à la sagesse. Il y a quelqu'un qui a retrouvé son centre, peut-être pas son équilibre. On est peut-être conscient de ses serres, mais voilà. Il y a quelque chose qui s'est terminé et peut-être qui nous a permis de mesurer tout ce qu'on avait appris, tout ce qu'on avait engrangé comme savoir, peut-être comme connaissance. Il y a eu de la méditation, il y a eu des. Ah, il y a peut-être des prières qui sont exaucées là. Oh, on a pensé à quelqu'un de très fort. Peut-être qu'on a cru que c'était fini. Ici, j'ai la notion de retour à la sagesse, quelque chose est terminé. Quelque chose est terminé, c'est-à-dire on retrouve sa paix. On a un vœu sur lequel on a beaucoup médité par rapport à quelqu'un, j'allais dire, qui nous touche, hein. Qu'on aime, quelqu'un duquel on se sent proche. Et un changement d'état d'esprit, là, j'ai dit un changement de niveau de conscience. Ah, les racines, la lumière, et attends, je veux quand même vérifier que ça tourne. J'ai l'impression, je vois l'eau. Je vois l'eau. Si ça tombe avec le reflet du soleil et tout, ça fonctionne. Bon, je continue. J'ai eu peur que ça ne tourne pas. Je voyais que ça prenait. Maintenant, je suis sûre que ça prend de belles images. Je peux continuer. Je vais terminer tout nu, pas seulement les pieds nus. Alors, ici, on a la mort, qui n'est pas une carte qui nous annonce la mort de qui que ce soit, à part si c'est celle de quelqu'un que tu as souhaité. Mais je ne pense pas qu'on soit vicieux jusqu'à ce. On ne soit pas vicieux jusqu'à ce stade quand on regarde la chaîne de Didi. Ici, il y a un choix qui va être nécessaire. Il y a un changement d'état d'esprit par rapport à la famille qui est très fort. Ici, c'est par rapport à la famille de sang, c'est par rapport aux valeurs qu'on vous a inculquées mais qui ne sont pas les vôtres. Et ici, il y a un nécessaire, comment on me dit, une nécessaire débordélisation. Il y a cette notion de, tu sais, ça me rappelle quand avec mon grand-père, on arrachait les racines de, je ne sais plus quelle mauvaise herbe. Et c'était des grosses racines. Le truc, il ne voulait pas mourir, quoi. Il voulait se reproduire. Bon, j'ai oublié les noms, de toute façon, j'ai jamais trop bien connu. Pas mon grand-père, hein, les noms des plantes, j'avais déjà remarqué. Donc ici, ça me fait aussi penser aux dents, parce que je ne sais pas si tu as vu, sur la carte de la mort, on a cette tête de mort, justement. Et qui représente ce changement de niveau de conscience, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ici, dans ce changement de niveau de conscience, on te dit que tu vas aller jusqu'aux racines d'un problème. Ici, c'est comme si ton retour à la sagesse t'avait permis de mettre fin à quelque chose et de retrouver ta paix. Tu es capable de savoir réellement quels sont tes désirs parce que tu as changé de niveau de conscience, peut-être à force de méditer. Peut-être qu'il y a quelque chose qui... C'est terminé, quelque chose à quoi tu as mis un terme, qui t'a permis de récupérer ta paix intérieure, d'être un frère ou une sœur pour toi-même. Et, non mais là j'ai vraiment une transformation, une grosse transformation.
Ici, j'ai des gens, alors pas en un week-end, hein, mais qui vont encore monter d'une dimension. De toute façon, on est tous en train de nous, entre guillemets, suréquiper hein, par rapport à d'où on vient. Et si c'est marrant, parce qu'il y a beaucoup de femmes dans cette famille. Hein. Il y a beaucoup de femmes. Les femmes qui se reproduisent. C'est marrant parce qu'il y a marqué Corona Radix. Je te promets tout en haut. Tu regarderas si tu as la triade. Arboris, Nia Nia, Eluche, Pater. Bref, ici. En fait, c'est comme si certains d'entre vous avaient essayé de régler des problèmes en voulant préserver ses racines. Et si on vous dit, ok, vous avez expérimenté ça, maintenant tu as le droit de faire ce que tu veux. Si tu veux qu'il y ait... Et là en fait ce qu'on te dit c'est il y a un changement d'état d'esprit et tu comprends que par rapport aux racines, tu vas faire un nettoyage. Parce que en fait c'est comme si on te dit tu fais table rase du passé, c'est-à-dire tout ça c'était à eux, tu comprends que c'était à eux, et tu vas décider toi ou pas de remettre chaque point par point, ou rien du tout. Parce que c'est comme si tu faisais ton propre tableau. Ok. Ok. On dit l'acteur de tant d'aventures était un homme tranquille, mais ça me... Mais c'est ça qui est excitant chez lui. Son petit côté pépère. Excuse-moi, je suis à fond dans le jeune connu. Oh, je l'aurais aimé s'il avait été de... Je veux dire, s'il avait été de mon époque. Oh, la pourrie, la... Bon, écoute, c'est vrai que c'est pas tout à fait ma génération. Quand j'étais petite, il me plaisait pas. Non. Tu te rends pas compte, un beau mec. Non, puis ça prend du temps, quand même. Au début, t'es tellement excité de vivre, tout simplement. Le mec, tu t'en fous. C'est venu tard. C'est génial. C'est venu tard, vers 14 ans. Et c'est là que j'ai commencé à courir plus vite en m'entraînant avec des mecs. Je te jure, c'est vrai que je faisais de la course à pied. Mais c'est pas vrai. On va en rester là sur cette question. Ici, j'ai l'impression qu'il y a une prière qui est exaucée par rapport à des rapports avec quelqu'un que vous aimez beaucoup. Mais que ça a supposé que vous coupiez. Tiens, un truc qui saute. C'est bizarre. Ça a supposé. T'as vu ? Oh, mais ça se trouve, c'est un truc. Non, je ne veux pas te ramener chez moi. C'est pas une sauterelle, tu vois. Ce que je veux dire, c'est un genre de puce, quoi. C'est bien plus. Si tu écartes les jambes, elle ne saute pas sur toi. Elle est partie. Je sais pas où. Et je m'en fous. Allez ! Alors, 1, 2, 3, harmonie, vague d'abondance, élévation. Oh là 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 là, c'est du beau week-end quand même. Hein. C'est du beau week-end quand même. Ah, il y a une question quand même. Hein. On médite sur une question. Et en fait, c'est marrant parce que là, j'ai l'image de Pierre qui me réapparaît. Donc, Pierre, mon prof de souffle. Pierre, sors de ce corps. Et qui dit l'important n'est pas la réponse. L'important, c'est de se poser la bonne question. Et c'est là-dessus qu'on médite. Et j'ai l'impression que certains pourraient rencontrer leur conscience. Alors, je partage mon vécu pour certains. Quand je suis très, très, très connectée, quand je ferme les yeux, je vois d'autres yeux. Mais juste derrière. Wow! Triomphe avec le frère, là. Alors, attends, je pose tout. Parce que là, je commence à me gratter les yeux. À me gratter les yeux. Oh là là, c'est beau. Bon. Oh. Ah! 1, 2, 3. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. De vivre quelque chose d'harmonieux, de connaître cette vague d'abondance.
ici, au présent, vous avez pris de la hauteur sur une question que vous vous posez et de laquelle vous avez peut-être suffisamment de recul pour qu'il y ait ce triomphe. On parle aussi de toi du monde ici. Il y a une histoire de sommet, hein, il y a une histoire de réussite. C'est magnifique. Il y a aussi une histoire de flamme. Je ne sais pas comment dire, de retour de flamme, mais de flamme d'amour. Projet, oui, méfiance, alliance. Et là, on vous dit non. Oh, non, amour partagé, tu es tranquille. Ici, en fait, on a quelque chose, c'est marrant parce que ça rattrape le tirage de tout à l'heure, c'est un truc de fou. Ici, on a mis du temps à retrouver son calme, son harmonie. Il y a eu une vague d'abondance, on a pris de la hauteur par rapport à une question, mais on ne savait pas la réponse, encore moins. Là, la réponse, elle est juste en dessous. Et c'est surtout de se poser la bonne question. Et on a triomphé ici, la personne, vous, ou à qui vous pensez, mais je pense que c'est plutôt vous, a triomphé parce que vous êtes posé enfin la bonne question. Et là, ici, on dit banco, il y a des projets, mais il y a de la méfiance ou il y a peut-être la peur de... ici, il y a une certaine méfiance si on vous propose une forme d'alliance et on vous dit non, il n'y a pas de méfiance à avoir car l'amour est partagé. Vous êtes tranquille, ok? Il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci ici, il y a du bisou-bisou et il y a quelque chose qui va bien. Par contre, ici, ça peut venir d'une façon, parce que là, ici, ça a pris du temps. Oh! Oh coucou! Oh bah alors là, oh bah ça me fait très plaisir. On a un couple de cygnes là. Je vais nous faire un petit coucou. Salut mes loulous. Merci d'être passé. Oh, vous m'avez fait peur. Oh, c'est gentil de faire un petit bonjour. Bon, ben on remercie la nature de venir nous faire des coucous. Écoute, il m'a... Oh, je suis toute chose. Il m'avait jamais fait ça. Mais Didi, il faut mettre des chaussettes parce que tu fais que toutes tes chaussures feu des pieds. Ben, il y a une déclaration. Là. Ma déclaration. Si, maman, si. Waouh. Alors ici, pour moi, j'ai une déclaration, c'est de quelqu'un qui s'est tiré comme un voleur et qui a bien réfléchi avant de revenir. Carte 20, le 7 d'épée et l'ermite. Donc on a quand même deux arcanes majeures. Si on a quelqu'un qui a réfléchi et qui ne savait pas comment revenir, j'ai une déclaration à une impératrice. Donc ici, on a une maman. C'est peut-être la déclaration d'une maman. Oh là là, il va y avoir une fiesta. Hein. Ou il y a déjà une fiesta. J'ai l'impression que quelqu'un a pris du recul sur un engagement avec quelqu'un qui lui plaît, mais beaucoup. Et il y a une décision qui va être prise. Purée, on planifie. Il y a en dos de deck la maîtrise des instincts. Et là, j'ai pas mal de cartes qui sont tombées. Alors attends-moi que je les pose. Ouais. On est un peu maladroit. Il y a encore pas mal de trucs cachés. Ici, j'ai quelqu'un qui... C'est marrant parce qu'on a encore la lune. Hurler à la lune. J'ai quelqu'un qui est en train de planifier un rencard pour offrir sa coupe. Hein. Et on cache encore des choses ici. Tout n'est pas dit. On nous dit de se fier à son intuition. Ici, ça peut être quelqu'un de hyper maladroit. Il y a une décision qui est prise pour planifier cette déclaration, j'allais dire maladroite ou... En fait, si tu veux, ici, je peux avoir quelqu'un qui a l'impression de faire une grosse déclaration d'amour et qui dit finalement « je t'aime bien ». Tu vois ce que je veux dire? Des fois, tu as l'impression que tu livres ton cœur, mais non, en fait. Alors ici, on a
On a peut-être quelqu'un qui est modéré comme ça parce que quelqu'un qui veut se tenir. Alors, est-ce qu'on peut nous dire ce qui est caché, please? La lune. Ce qui est caché et ce qui n'est pas dit, en fait, c'est qu'on veut un nouveau départ dans le concret. Un nouveau départ de quoi? Wahahaha! Ah oui, là, c'est bien caché. Hein. Ici, la personne, effectivement, elle ne déclare pas les choses du tout comme elle les sent. Parce qu'ici, c'est, elle veut un nouveau de départ. Elle veut un nouveau de départ. T'as vu, j'ai du mal à m'en remettre. Elle veut un nouveau départ dans le concret, mais ici, c'est parce qu'elle croit qu'elle peut construire avec vous jusqu'au 10 de denier. Hein. Ici, cette personne, c'est très bizarre ce que je vais vous dire. Ici, cette personne, j'ai envie de te dire, ne fais pas attention à ce qu'elle dit, fais attention à son non-verbal. Ici, c'est quelqu'un qui a trouvé une personne intelligente, intéressante, aimante, humaine, avec qui on a envie de célébrer le quotidien. Et ici, on a envie de se donner une chance pour vivre quelque chose de beau. De beau. Après, des trucs un peu durs. Hein. Ouais. Eh ben, dis donc! Très beau. Très, très beau. J'ai l'impression que c'est l'homme qui se déclare. Hein. A priori. Ou une énergie masculine. N'est-ce pas? Bon. Ouais, ouais, ça fait deux fois hein, que ça sort, c'est pas mal. Hein. Bon, on tourne un peu autour du même genre d'histoire. Alors ici, c'est peut-être un Capricorne vers ce Poisson. Il y a peut-être de la froideur, mais on vous dit que ce n'est que apparent. Puisque à l'intérieur, on essaye de ne pas lâcher les chevaux, mais si on donne une chance, c'est qu'on a sélectionné. Ok? Top du top! Putain, il y a blessure, cœur blessé, chagrin, pleurs, amour véritable. Donc ici, moi ce que je crois, c'est que cette personne, elle est peut-être un petit peu froide pour vous déclarer sa flamme parce qu'elle a peur de... Je vais vous l'envoyer chier. Et puis, elle a été blessée. Donc elle a peur de se remettre sur le marché de l'amour. Tu as vu, tu as même les feuilles qui tombent pour te dire quand il faut arrêter le tirage. Je fais un gros bisou à mon cousin. Il me regarde de peu, j'en suis sûre, mais qui se reconnaîtra. Bisous, mon gros mini. Bon, amour véritable. Solid love. Varolide. Affection et amour inconditionnel. Que se passe-t-il ensuite? Une invitation. Donc écoute, ça se confirme. Hein. On va t'inviter, on va célébrer, on va. Oh, une fourmi qui marche sur l'est de denier. C'est bon signe ça. Eh ben happy end, hein, on te le dit tout de suite. Bon, par contre, j'ai masque, attraction, printemps. Alors, ici, on a tromperie, adultère, méfiance. Ici, j'ai quelqu'un qui se méfie beaucoup. Alors, on se méfie peut-être beaucoup parce qu'on est très, très attiré. Il y a une attirance et une alchimie qui fait peur ici. Et on me parle d'un nouveau départ, d'une renaissance, d'une vitalité différente. Au printemps. Alors, il peut s'agir également d'un ou d'une bélier taurote gémote. D'accord ? Tu feras la traduction en singulier, masculin, pluriel, féminin, tout ce que tu veux. Quoi d'autre ? Ouais. Ici, pour moi, il n'y a pas de tromperie, hein, puisqu'on voit qu'il y a du véritable amour. La seule tromperie, si tant est qu'il y en ait une dans cette histoire, dans ce tableau, hein, qui peut-être ne vous concerne pas, et j'en suis désolée, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ici, c'est que la personne, elle cache comment elle est attirée et comment... J'ai l'impression... Ah, c'est pas que les sentiments sont déjà acquis, mais il y a déjà des sentiments très forts. En fait, on ne vient pas vous faire une proposition faute de mieux. Vous êtes... ici, pour moi, vous êtes le neuf de coupe de l'autre. Hein. Vous êtes son idéal. Et regarde, d'ailleurs, en dos de deck, on a la femme. Donc, si t'es une femme ou si t'as une énergie féminine... de toute façon, ça veut pas dire forcément... Mais en tout cas, pour moi, vous êtes son idéal. Que vous soyez un homme ou une femme, ici, j'ai cette personne qui vient. C'est pas timidement, c'est froidement vous faire une déclaration
ne vous attachez pas à la manifestation du truc, c'est... On n'arrive pas à dire tout. Ici, on ne sait pas comment libérer tout ce qu'on ressent, on a peur. On fait du mieux qu'on peut, ok ? On veut se protéger, d'accord ? Ça va s'enlever, c'est parce que l'attraction est vraiment très forte. Ben écoutez, que des bonnes nouvelles. J'espère que ce tirage vous a plu. Je sais pas si je vous l'ai dit, parce que du coup, je l'avais dit dans la première vidéo, je ne ferai pas de tirage journalier la semaine prochaine. Puisque je suis dans plein d'autres projets, et puis bah, je vous ferai quand même je vais voir si je peux vous la faire aussi au soleil, ce sera avec plaisir. Regarde-moi ça, je sais pas si tu vois bien avec le soleil, avec le soleil, ni, 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 ni. Et je te fais faire un petit tour d'horizon là. Je vous fais de très très gros bisous, je vous remercie toutes et tous. Je vous fais d'énormes bisous et je vous souhaite un merveilleux week-end à toutes et à tous.